Je suis pas là, revenez plus tard. Debout, Einstein. Dépêche-toi, le temps vira l'orage. Oh. Arrête, Cathy, c'est pas drôle, laisse-moi dormir. Quoi, c'est toi, Bliskin? Ah, ça y est, il me remet. Ça fait une sacrée paye, Einstein. Mais tu vois, toi, tu me manquais pas. Ton petit chef-d'œuvre a eu des problèmes. Tu vas faire une petite virée en jet privé. Le grand patron te réclame à corps et à cri. Quelle agréable surprise. Bon sang, on ne s'est pas vu depuis quand? La dernière fois. Et vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour? Je suis le nouveau roi du rire. Woody Allen veut me poursuivre pour concurrence déloyale. Et vous nous manquez terriblement, vous savez. Vous auriez dû y penser avant de refiler en douce mon projet à l'armée. Dites-moi, comment se porte votre ravissante épouse, toujours dans la marine? Interrogez son avocat. Alors, vous voulez bien arrêter vos salamalek, histoire qu'on passe au vif du sujet? Oh. Dites-moi ce qui est arrivé à Siren One. Les premiers rapports indiquent que le moteur nucléaire de votre merveilleux sous-marin aurait lâché. Ayant perdu tout contact radio avec le submersible, nous ne pouvons en être certains. Ils doivent attendre les secours. Inutile de dire que le Pentagone suit la question de très près, vu qu'il finance le projet. Attendez une minute. Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Où avez-vous pêché ce moteur nucléaire? Il n'a jamais été question de ça. Mettons tout de suite les choses au point. D'après ce rapport, c'est uniquement votre travail et non nos modifications qui sont incriminées. Réfléchissez. 8 personnes piégées au fond de l'océan. Parce que vous avez piqué une crise dès que quelqu'un a voulu toucher à votre joujou. Vous insinuez que j'ai saboté? Attendez, je ne le pense pas un seul instant. J'ai tout à fait confiance en vous. Nous ne pouvons nous permettre d'endosser la responsabilité du concepteur. Merci pour le verre, Stinsland. À la revoyure. Marc Mazzi se trouvait à bord. Quand vous nous avez claqué la porte au nez, c'est Marc qui s'est battu pour que le sous-marin soit construit aussi près que possible de vos plans. Je suis certain que vous n'allez pas le laisser tomber, comme vous avez fait pour le projet Sirène. Je sais à quel point il vous est cher. L'OTAN envoie une expédition de sauvetage à la recherche de Sirène One. Vous en faites partie. Personne ne connaît mieux le Sirène que vous. Vous décollez pour la Norvège à 8 heures précises. Il a tout bobé. Trondheim, Norvège. Vous n'avez jamais vu ça. Ça s'approche davantage du Batiscaf. Genre professeur Picard, il n'y a pas de quoi trépigner dans la sueur. Tiens, qui c'est ce gars-là? Si j'en crois mon infaillible petit doigt, ce doit être Wick Ice, le petit prodige qui a inventé ce Nautilus du XXe siècle. J'en ferai bien mon ordinaire, cela dit. Ah, Roger me doit 20 billets. Je lui avais parié que ce corps de rêve dissimulait des hormones voraces. Si un jour vous grandissez, ne manquez pas de me le faire savoir. Bonjour, Wick Ice. Anna Rivera, navigateur. C'est un plaisir pour moi. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous présente Wick Ice. Heureux d'être à bord.
Il disait la même chose sur le Siren One. Les nouvelles vont vite. À la vitesse de l'éclair, on a eu droit à un beau petit briefing. On nous a expliqué que c'est votre faute si ce sabot de malheur est au fond de l'eau. Bonjour, je m'appelle Carlo, médecin à bord. Venez. Ah, prêtez pas trop attention. Tout l'équipage est sur les charbons. Non, personne n'a idée de la durée de sa fichue mission. Vous en faites pas pour moi. Niveau popularité en ce moment, je me situe environ entre le cafard et la migale. Je peux pas vous donner la suite nuptiale, elle est déjà prise. Vous devrez partager votre cabine avec Robin, c'est un nouveau comme... J'adore la nouveauté. S'il a pas fait un brun causette avec le reste de l'équipage, ça va être bien. Son estomac n'a pas le pied marin, on dirait. Si vous avez besoin de moi, je suis à l'infirmerie. Merci pour tout. Ne dérangez pas pour moi. Ça commence à se tasser. Robin, je suis spécialiste en informatique. Enchanté. À mon tour de me présenter, je suis... Oui, Kay, je sais, je sais. Je viens de lire un article sur vous dans un vieux magazine. Et pour la dédicace, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que tu fabriques ? Rassemblement immédiat de tout l'équipage à l'ordinaire. Fin de la mi-temps, ouais. Le match reprend en réfectoire. Il m'a tué l'oreille, c'est un œil. Avant, fixe, le commandant. Le règlement veut que je demande le repos, mais il me semble que vous avez devancé mes ordres. Je suis le commandant Randolph Phillips, et voici le lieutenant Nina Crowley, spécialiste en biogénétique. Tant que je commanderai ce bâtiment, je me montrerai intraitable en ce qui concerne la discipline et la courtoisie. J'espère que je suis assez clair. Un simple oui, commandant, suffira. Oui, commandant. Oui, commandant. Le temps... Il paraît que c'est le refuge de tous les incapables que les armées ont engendrés. Est-ce vrai, mon petit gars ? Apparemment, oui, commandant. Quel est votre nom ? Joe Kane, commandant, mais tout le monde m'appelle Skeets. Un surnom que j'aime autant que votre réponse. Vous en avez, comme on dit vulgairement. Mais à l'avenir, je vous prierai de laisser vos attributs du courage dans les shorts réglementaires où ils devraient se trouver. La marine américaine obéit à des règles strictes que vous semblez ignorer. Certains, visiblement plus que les autres... Mais tant que vous aurez présent à l'esprit que cette mission est placée sous l'autorité militaire de la Navy, je suis sûr que nos problèmes seront réduits au minimum. Nous apparaîtrons immédiatement. À vos ordres, commandant. Je veux voir chacun d'entre vous en tenue et à son poste dans 5 minutes, messieurs. Ce sera tout, rompez. Lieutenant Crowley. Commandant a tout du joyeux de rire. Je suis d'avis qu'on s'éviterait bien des ennuis en étranglant cette vieille baderne sans perdre un instant. Entrée mot de passe de classe 1. Mot de passe accepté. Modification effectuée. Je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir de ma vie. Et par jamais, je veux dire jamais. Nina, je ne suis pas ici de mon propre chef, ça tu peux me croire. Tu n'as jamais rien fait à ton corps défendant, alors je te prie de ficher le camp et de rester aussi loin de moi que possible pendant toute la durée de cette mission. Tu veux bien arrêter une seconde ton petit numéro d'enfant gâté et m'écouter ?
Il y a des choses bien plus importantes en jeu que tes sacro-saints petits émois de midinette. Arrête, Dieu. Nous avons joué cette scène je ne sais combien de fois. Je ne me sens pas de force à la recommencer. Les souvenirs de notre fiasco sont classés à faire sans suite. Il nous faudrait un point complet sur les turbines. Oui, j'arrive. Ravi d'avoir eu cette charmante conversation avec vous, lieutenant Crowley. Allons voir un peu ce que nous disent ces turbines. Je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait de ma conception. Voyons ce que cette merveille a dans le ventre, lieutenant Fleming. Commandant, je n'ai pas encore fini de vérifier le bon fonctionnement de tout l'équipement. Autrement dit, dans les conditions extrêmes dans lesquelles nous allons naviguer, avec des courants très violents, des formations d'iceberg, des reliefs sous-marins extrêmement... Ce prodige de la technologie ne serait-il finalement pas au point? Plus la technologie est élaborée, plus les vérifications doivent être rigoureuses. Avez-vous détecté la moindre défaillance jusqu'à présent? Non, commandant. Tout est donc pour le mieux en ce cas. Lieutenant, je vous prie d'exécuter mes ordres. Second maître Rivera, second maître Robbins, maintenez une surveillance sonar permanente. À ces profondeurs, la visibilité va être extrêmement limitée. Vingt-deux mille deux cents pieds. Une masse en mouvement. 22 400 pieds. À 0,02 degrés. Sûrement un iceberg en formation. Négatif. L'écran principal situe la formation à 0,0 et 4 degrés. C'est probablement un simple problème d'alignement car je lis toujours 0,02 degrés. Nous naviguerons entre les deux caps afin de conserver une marge de sécurité. Engagez-vous dans cette faille et gardez l'œil sur vos écrans. À vos ordres, commandant. L'écran auxiliaire indique une marge de 3 degrés, commandant. Nous allons heurter l'iceberg par tribord. Collision imminente. Collision imminente. 2 degrés à bâbord, déclenchez le signal d'alarme. Collision imminente. Cela signifie. C'est le résultat des modifications, commandant. On a sacrifié le sonar au profit d'un système de détection et de poursuite antimissile. Voilà tout, commandant. Il est encore heureux qu'on ne soit pas en plafond et ses glaçons. On n'aurait jamais eu ce problème avec un vieux sous-marin. Peut-être, mais il n'aurait jamais eu les capacités de ce bâtiment non plus. Ça, je veux bien vous le concéder, mais au moins les vieux fonctionnaient. J'avais dit qu'il fallait opérer une vérification complète de tout le système. Vous en prendre au lieutenant Fleming ne change en rien le fait que sa remarque est parfaitement juste. Parfaitement juste. Laissez-moi vous montrer les modifications qui ont été apportées au submersible que j'ai conçu, commandant. Niveau 1. Tous les changements apparaissent en rouge. Deuxième groupe Niveau de modifications. 2. Et voici 3. Le troisième groupe, commandant. Vue de face. Est-ce que vous comprenez ce que tout cela implique? Avant de me jeter la pierre, je vous conseille d'ouvrir les yeux et de regarder enfin la vérité en face. Monsieur Hales, je veux vous voir immédiatement dans ma cabine. Second maître Robbins, veuillez régler le système sonar manuellement. À vos ordres. On établisse un rapport sur les dégâts occasionnés par la collision. Il va y avoir du sport. Quel est donc votre problème, monsieur Hales? La vérité vous blesse donc tant? La responsabilité est trop dure à porter. Les faits parlent d'eux-mêmes, commandant. Pas l'intention d'être le bouc émissaire de la Comtech, sous prétexte qu'un quart de ronde militaire en mal de bricolage ont tripatouillé mon sous-marin.
Je les connais par cœur, les Gugus, comme vous. Vraiment? Toujours à montrer quelqu'un d'autre du doigt parce que vous n'avez pas le courage de reconnaître vos erreurs. Et regardez les choses en face. Nous avons failli rester empalés sur un iceberg. Par la faute d'un de vos génies galonnés. Pas par la mienne. Si vous refusez d'admettre... Ça suffit! Ma décision est prise. Afin de ménager le moral de mon équipage, jusqu'à nouvel ordre, je vous interdis de glisser ne serait-ce qu'un orteil dans le poste de commandement. Je n'ai pas fini de vérifier le bâtiment. Robbins a les qualifications nécessaires. Vous pourrez toujours l'assister par le circuit vidéo. Franchement, commandant, vous voulez pas non plus que je tape les données en mort sur les cloisons des sirènes? Vous pouvez essayer la transmission de pensée si ça vous chante, du moment que je ne vous vois pas dans mon poste de contrôle. Rompez! J'avoue que quelque chose m'échappe. Nous devrions avoir un taux de radiation plus élevé. Les appareils doivent fonctionner de travers. Négatif. Dans le sous-marin, le taux est normal, mais pas la moindre radiation à l'extérieur. C'est troublant, en effet. Vous avez entendu ça, lieutenant ? Oui, commandant. Vous avez une idée sur la question ? La contamination est probablement causée par une source. Par une source non nucléaire. Je reçois un signal curieux, commandant. Vous pouvez identifier ce signal? C'est émis par une boîte noire, commandant. C'est une boîte noire d'un type très récent. Nom de code, David. Décodé, sirène noire. Nous sommes sur le point de savoir ce qui est arrivé à Sirène One. La boîte noire est notre seule chance de découvrir ce qui s'est passé. Vous avez sa position? Elle se trouve juste en dessous de nous, à environ 31 000 pieds. Si vous, Maître Ken, avertissez le quartier général de la marine que nous venons de repérer la boîte noire de Sirène One dans le gouffre de Danekin. Si vous, Maître Rivera, je vous prie de tracer notre route. À vos ordres, commandant. Plongez à 31 000. Pieds. 23 400 pieds. Pieds. Maître Robbins, allumez les bougies sur notre gâteau. Le système d'éclairage activé. Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois? Il peut m'expliquer ce que ça fabrique ici? Commandant, à cette profondeur, la photosynthèse ne peut pas se produire. Il n'y a ni lumière ni substance organique. Dans ces conditions, toute végétation est virtuellement impossible. J'aimerais avoir un échantillon. Nous allons vous fournir cela, lieutenant. Le commandant, le sonar indique la présence de débris métalliques sur une paroi de la faille. Sans doute la plus grosse partie de l'épave. Commandant? Je vous écoute, monsieur Hayes. Puis-je suggérer une analyse approfondie de l'épave? Cela devrait nous aider à déterminer ce qui a causé la perte de Sirène One. Excellente idée, monsieur Hayes. J'écoute. Enfilez votre tenue de plongée immédiatement. À vos ordres, commandant. Stoppez les machines. Machines stoppées, commandant. Vacherie. Un plongeon à 30 000 et le commandant te choisit au lieu de moi. Normal, t'es tout juste bon à faire plongeur dans les restaurants. Vous êtes prêt? Oui, commandant. On a besoin de deux choses. Primo, un échantillon de ces algues pour le lieutenant Crowley. Deuxio, des photographies de l'épave du Sirène One. Enfilez aussi votre combinaison au cas où ils seront en difficulté. Bonne chance.
qu'on soit à 5 sur 5, bonjour. Bien reçu. Je me dirige vers les algues. Les algues sont concentrées dans une zone délimitée. Elles sont énormes. À vous. Non. Tu veux ma part? Et regarde la télé. On dirait 20 000 lieues sous les mers. Manque plus que la pieuvre géante. Même avec les lumières, j'ai du mal à y perdre 20 mètres. C'est une vraie jungle. Je sens un courant chaud qui vient de plus bas. On dirait que c'est ça qui donne toutes ces algues. Quand vous aurez fini de batifoler, vous pourrez en couper un échantillon, plongeur 1. Reçu? Reçu, commandant. C'est vraiment pas facile, les algues sont épaisses et drôlement criasses. C'est fait, commandant. Vous pouvez la remonter, terminé. Maintenant, je vais essayer de retrouver l'épave. Terminé. Pas d'excès de vitesse, surtout, on te suit à l'écran. Par ici, mon petit. On est en plein inconnu. Cet échantillon est une véritable aubaine. Merci. Mille fois, Philippe. À votre service, lieutenant. Qu'est-ce que je fais? Répondez! Répondez, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Plongeur 1! Répondez! Ça va, c'est rien! Je vous expliquerai. Plongeur 1, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait pâlir et j'étais pas le seul. Désolé, ça va maintenant. Je peux vous faire relever par le plongeur 2 si vous voulez. Négatif, camarade. Philippe risquerait d'en mourir de joie. Terminé. Je viens de trouver un morceau de la coque de Siren One. Commence la série des clichés. Oui, mon poussin, le petit oiseau va sortir. Mais qu'est-ce que c'est? Commandant, je suis prêt. Attendez, plongeur au rapport. Attention, erreur dans les fonctions vitales. Commandant, ce n'est pas normal. Commandant, je demande la permission de sortir. Nous devons d'abord en savoir plus. Mais, commandant... Ce sera tout. Plongeur 1, vous allez me répondre à la fin. Défaillance des fonctions vitales. Négatif. Pression sanguine négative. Fonction vitale négative. Commandant, qu'est-ce qui se passe? Répondez! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Doucement, calme-toi. C'est pas ça. J'aurais pu le sauver. Non, tu n'aurais rien pu. J'aurais pu le sauver sans l'eau de fumier. C'était mon meilleur ami. Calme-toi. Me calmer. C'est le torture qui l'a tué. Sven savait ce qu'il faisait. On prend tous nos risques et tu le sais. Le commandant ne m'a pas laissé le sauver. Tu n'aurais rien pu faire. Je sais même pas ce qui s'est passé. C'était mon meilleur ami. Mon meilleur calme-toi. Ami. Calme-toi. Ça sert à rien. L'ordure, tout ça, c'est de sa faute. Second maître Binns, une explication sur ce qui s'est passé. Eh bien, peut-être une déchirure, sa combinaison a dû se déchirer, commandant. Et à ces profondeurs. Second maître Kane a informé le quartier général. Quoi, c'est tout, commandant? Que voulez-vous qu'on fasse de plus, Kane? Nous reprenons notre route. Nous devons récupérer la boîte noire. Si vous avez besoin de moi, je serai dans ma cabine.
Soren. C'était mon meilleur ami. Le signal de la boîte noire est toujours aussi fort et clair, commandant. Parfait. Rapport sur l'état des machines, second maître Muller. Les réparations ont été effectuées, vérifiées deux fois comme vous me l'avez demandé. Parfait, Muller. Veuillez procéder à une troisième vérification. Et c'est parti. C'est le manège enchanté. Commandant, regardez ce qui nous arrive dessus. Bon sang, je me demande ce que ça peut bien être. Vite passer en infrarouge. Bien, commandant. C'est gigantesque. Jésus, Marie-Joseph. Ça se rapproche. Il en a, Benoît, commandant. On va pas attendre de voir ce qu'il nous veut. On remonte de 3000 pieds. À vos ordres, commandant. Branchez les caméras extérieures du sous-marin. L'écran indique des dégâts en salle des machines. Second maître Muller, rapport sur l'état des machines. Alors, Muller. Allez, debout, vieux. J'ai besoin de toi. Salle des machines au rapport. Faut d'abord que j'éteigne ce feu avant d'y voir quelque chose. Ce bâtiment est prévu pour descendre à 35 000 pieds. Au-delà, la pression l'écrasera. Et si cette chose continue à nous entraîner au fond... Hé, les gars, vous avez vu le programme à la télé? C'est quoi, ce monstre? Commandant, dites à Robbins de verser la polarité du circuit de protection radar du sous-marin. Ça devrait produire une décharge électrique suffisante pour le décrocher. C'est possible. Vous discuterez plus tard, faites ce que je dis. Quels sont les dangers? Surcharge électrique. Le système de refroidissement surchauffe, et alors... Vas-y. Fais-le! On tente le coup. Inversez cette fichue polarité. Allez, une bonne secousse! C'est fait. Vite, recommencez. On continue en manuel. Eh ben moi, j'ai pas tellement confiance. Avec tout ce qu'on raconte sur les femmes au volant... Ne vous affolez pas. Viens, mon bébé, viens voir maman. Les commandes ne répondent pas du tout. Pas étonnant, regarde où il s'est fourré. Tu y es obstrué. On a pratiquement plus de jus. Commandant, on file tout droit dans une crevasse. Profondeur de la crevasse. Au moins 45 000 pieds. Eh ben, les
les gars, je crois que c'est le moment d'avoir une idée de génie. Vous donnez la puissance maximale. Essayez de repérer une corniche sur la paroi. Ça vaut le coup d'essayer. Et il y a une plateforme à environ 300 pieds en dessous de nous. Rivera, à moi. Principal. Coupez tout ce qui n'est pas indispensable. On y est presque. En douceur maintenant. Pas de brusquerie. Robbins, donnez-nous des jambes. Maintenant! Vous doit une fière chandelle. Mon vieux, t'es champion. C'est tout ce que j'ai à décerner comme médaille d'or. Je suis heureux de te la remettre. Tu mériterais presque d'être noir, vieux. Merci, Skids. Second maître Kane, second maître Robbins. Oui, commandant. Avec le second maître Rivera, vous établirez un état précis des avaries que le sous-marin vient de subir. À vos ordres. Monsieur Hayes, je vous attends dans ma cabine. Je pense que vous connaissez le chemin. Et c'est reparti, deuxième round. Hayes, vous ne devez jamais... Quand je dis jamais, c'est jamais contredire un ordre direct de l'officier qui vous commande. Encore moins devant son équipage. Commandant, avec tout le respect que je vous dois, nous ne serions pas ici à tenir cette conversation si je ne l'avais pas fait. L'esprit de groupe via la discipline est ce qui fait fonctionner un équipage. La seule chose qui puisse être pire que de perdre un homme, c'est d'assister à la destruction de cette identité, même avec de bonnes intentions. Dans l'avenir, vous veillerez à me prévenir avant d'agir. Vous avez compris ? Oui. Oui, commandant. Rompez. Hayes. Oui. Si ça peut vous consoler, je trouve que vous avez fait un sacré boulot tout à l'heure. Je lève la sanction qui vous visait. C'est la seule médaille que j'ai. Merci, commandant. Absorbe l'oxygène et rejette un poison extrêmement toxique. Le poisson s'est approché un peu trop et en fut victime. Voilà. Un désastre écologique instantané. Il me semble disproportionné de parler de désastre pour un incident aussi minime, lieutenant. Oh, le taux de concentration en toxine est incroyablement élevé. Ce n'était pas au poisson que je pensais. Mais si un jour ça montait à la surface... Selon moi, cette plante est issue d'une suite complexe de mutations. La prochaine fois que tu appelles le quartier général, pense à parler d'augmentation. Je ne comprends pas pourquoi ces circuits ne fonctionnent toujours pas. Tu veux regarder? Je n'ai fait que ça. J'y suis presque. Bougez pas. J'espère que tu vas mettre le doigt dessus. Thank you.
je demande la permission de reprendre mon poste. Êtes-vous sûr d'être en état de reprendre vos fonctions? Oui, commandant. Permission accordée. J'ai repéré la position exacte de la boîte noire. Il ne reste plus qu'à la récupérer. Monsieur Hayes. Commandant. État des machines. Eh bien, si vous voulez, disons que pour la compétition, c'est râpé. Mais ça marche. Bonne nouvelle. Nous pouvons nous mettre en route direction la boîte noire. J'espère que personne n'est claustrophobe, car cette grotte est très étroite. Commandant, ça me paraît pas très sérieux de foncer tête baissée dans un tunnel. Je serais d'avis de remonter à la surface et de laisser d'autres s'occuper de ce cauchemar. Ah, ça non. On récupère la boîte noire, puis après on remonte. Je ne me souviens pas d'avoir demandé l'avis de qui que ce soit. Au travail. À vos ordres. On approche de la grotte. Entrée à 150 pieds. Entrée à 130 pieds. Réduisez la vitesse aux trois quarts de la puissance. Attendez une minute. 60 pieds. J'espère que vous aimez les montagnes russes. 30 pieds. 3. 10 pieds. 2. Vitesse réduite aux trois quarts. 1. 0. Ça va drôlement secouer. Accrochez-vous. Je sais ce que ressent une balle de ping-pong dans un tuyau d'aspirateur. Est-ce que nous recevons toujours le signal émis par la boîte noire, second maître Robbins? Affirmatif, commandant. Si j'en crois mon écran, elle se trouve après le virage, tout au fond de ce tunnel étroit. Nous devons utiliser la navette d'exploration. Impossible. Elle ne résisterait ni aux turbulences ni à la température, commandant. L'eau est à 537 km. Commandant, les turbulences sont causées par des éruptions. Je peux déterminer leur cycle au moment où on peut passer. Excellente idée. Nous allons faire comme ça. Et une question. Si jamais il y a des éruptions multiples? Oui, bien sûr, il y a toujours une part de hasard dans tout ce qu'on fait. Ouais, mais d'après mes estimations, nous prenons un risque calculé. Autant danser la gigue sur un champ de mine. Au travail, Robbins. Camarade, tout ce qu'on te demande, c'est de garder tes grands yeux devant ton écran. Et c'est la première fois qu'on m'accueille avec un feu d'artifice. C'est pourtant pas la fête nationale. Ça me flanque la chair de poule. J'aimerais bien savoir comment la boîte noire a pu atterrir ici. Bien, c'est peut-être les courants qui l'ont poussé jusque-là. Qui peut savoir? Attendez, le signal, il y a quelque chose de pas normal. C'est un SOS. Vous avez raison, commandant, c'est un second signal indépendant de la boîte. Ce n'est pas la même fréquence. Si quelqu'un envoie un SOS, ça veut dire que nous possédons une source d'information plus fiable que la boîte noire. Vous pouvez localiser son origine? Eh bien, c'est là que c'est bizarre, commandant. Les deux signaux sont émis du même endroit. Ils proviennent de quelque part à l'intérieur de ce tunnel. Ouais. Ils étaient ici, commandant. Regardez cet écran.
Question est de savoir ce qu'ils pouvaient bien faire là. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Rassemblement de l'équipage à l'ordinaire immédiatement. Je comprends pas. On dirait que l'équipage du Sirenoid a eu de drôles de problèmes. Je comprends toujours pas. Ils n'avaient rien à faire dans ce coin. Sous absolument aucun prétexte. Quelles que soient les circonstances, vous ne devez enlever vos scaphandres. Vous remarquerez également que vous êtes équipés d'armes qui ont été spécialement conçues pour un usage sous-marin. Vous possédez une puissance de feu redoutable. Bien plus que vous n'en aurez vraisemblablement besoin. Alors attention à ne pas avoir la gâchette trop facile. Vous avez bien compris? Oui, commandant. La visibilité est très réduite, commandant. Écoutez-moi bien. D'après l'analyse atmosphérique, l'air ambiant est très toxique. Faites bien attention à vos masques. Commandant, aucun signe de vie, juste des débris éparpillés. Doucement, doucement. Au boulot. Allez, vas-y, lâche tout. Attendez les gars, ne soufflez pas, hein. Laissez-moi dîner. Hein, c'est ça, j'y vais en premier. Gagné. Rapport sur votre progression. On est en pleine purée de poids, commandant. Bien redoublé de prudence. Mon vieux, j'ai comme un mauvais pressentiment. Tout va bien se passer. Pas le moindre accroc pour l'instant. Laissez bien les spots allumés, second maître Robbins, qu'il voit où ils vont. C'est pas le moment de faire la sieste. Dites donc, les gars, est-ce que j'ai pensé à vous signaler le fait que je sais pas nager? Du calme, Skate. Commandant, on arrive. Parfait. Attention où vous mettez les pieds, les gars. On va pas s'engager dans ce tunnel à l'aveuglette. Sirento, que donne le relevé radar? L'image est parfaite, mais il ne porte pas à plus de 3 mètres. 3 mètres, oui. Ils ont une ligne sur une canne blanche. Laissez le mouvement, monsieur Hayes. Ce n'est pas le moment de faire du tourisme. Non, non, commandant. Un cul-de-sac, c'est tout. À vous de nous donner la direction. Toujours tout droit. Vous pouvez pas vous tromper. Dans environ un mètre, le couloir se divise en deux. Séparez-vous en deux groupes, vous irez plus vite. À vos ordres, commandant. On y est. Fleming, Philippe, Anna, vous prenez celui de droite. Skate, Carlo, avec moi. Voilà votre contact radio. Ne le perdez pas. Batifolez pas trop en route. Entendu, chef. Le chef est en trop là. On dirait bien qu'on a manqué une petite sauterie. Oui, moi je me plains pas trop de pas avoir été invité. Commandant, on a des bidons de gaz toxiques ici. Ne demandez pas pourquoi. De notre côté, il n'y a rien du tout. Le vide complet, noyé sous les ténèbres. Attendez! C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, rien. J'avais cru entendre sur les ténèbres. Vaut mieux pas trop s'éloigner les uns des autres. Notre petit SOS. Et il y a beaucoup d'écho. Impossible d'être précis. Mais je crois que vous êtes dans la bonne direction. J'adore l'incertitude. Hé, encore ce bruit.
mon avis, ça vient de la... Fleming! Anna, que se passe-t-il? Fonction vitale. Ou pain, au rapport. Au rapport. Quelque chose a attaqué Fleming. Il est paralysé. Ramenez-le au sous-marin. À vos ordres, commandant. Vic, vous me recevez? Que se passe-t-il? Levez la tête. Je crois qu'on a de la compagnie. Bon sang, mais qu'est-ce que je peux lui faire? Robin, on décroche, envoyez-nous les coordonnées en vitesse. Oui, pas de panique. Demi-tour jusqu'à la fourche. Puis vous prenez à gauche. Bien sûr, tirons-nous d'ici tant qu'il est encore temps. Et nous, comment hein? À la première intersection, prenez le couloir du milieu. Robin, il monte main. Toujours tout droit et première. À droite. Allez, on arrive. Vas-y, c'est pas vrai, le radar. Je peux pas l'attraper. Derrière le radar, attention. On a perdu le contact avec le groupe 1. Est-ce qu'il y a plus de mecs dans cet état? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en main, mon chef. Tu m'as appris. Suivez-moi. Fonction vitale terminée. Fleming est mort. Je vous expliquerai à mon retour. Par ici. Ouvrez l'œil, il est mort. Dépêchons, on est arrivé. Bloquez-vous, j'attends du bruit. Attention! Vite! Tirons-nous! On arrive à la fois. Commandant! Il y a un autre cadavre. Oh, c'est pas vrai, c'est Philippe! Carlo, couvre nos arrières. J'y vois rien là-dedans. Oh, tiens, le surpasse qu'à la noix. Anna! Anna! Remets ça tout de suite. Remets-le, lui. C'est quoi ça maintenant? Ice, continuez tout droit, vous êtes tout proche de l'endroit d'où provient le SOS. Bien, commandant. Commandant, le régénérateur d'oxygène commence à faiblir. Ah, c'est pas vrai, y a donc rien qui marche sur ce foutu rafio. Second maître Muller. Veuillez voir pourquoi le régénérateur d'oxygène est en train de battre de l'aile. À vos ordres, commandant. Restez sur vos gardes. Pas encore l'heure de la récré. Commandant, on touche au but. On vient à la boue. Monsieur Ice, inutile de vous recommander la plus extrême prudence. Oui, commandant. Oui, c'est bien un laboratoire. Et c'est bourré de matériel informatique. Il y a là un stock incroyable de nourriture. Kate. J'ai repéré la source du signal. Vous avez localisé les survivants? Non, pas de survivants. Et Anna? Aucune nouvelle d'elle.
Est-ce mes fesses, hein? Ah, commandant, j'ai trouvé des disquettes d'ordinateur. On va peut-être comprendre ce qu'ils fabriquaient ici. Monsieur Hayes, revenez au sous-marin immédiatement. À vos ordres, commandant. Carlos, Gates. La promenade est terminée. Suivez le guide. Secteur désertil au juste. Trois, votre labo, les salles de bain, bien sûr, et la cuisine. Mais pourquoi voulez-vous... Bouclez-les de la chambre de contrôle, et vite! Tout de suite, je le fais. C'est logé dans le système de distribution d'eau. C'est pour ça que j'ai fait condamner toutes les issues possibles. Et par face en nous. Donc je ne sens pas trop d'humeur à rigoler. Ça tombe bien, moi non plus. Allez, grimpez! Francisco, vous vous sentez mal? Qu'est-ce qui s'est passé ici, à la fin? Rien du tout, je buvais un petit verre d'eau, puis... Attendez, de l'eau du robinet ou en bouteille? Au robinet, pourquoi? Pas ça. Pitié. Désolé, on n'a vraiment pas le choix. Commandant. C'était quoi ce monstre? Ça va, Skid? Wick, t'es blessé? Non, doucement. Emmenez-les dans la chambre de plongée. Vite. À vos ordres. Doucement, doucement. N'en prends pas trop, doucement. Là. Doucement. Là, c'est tout. C'est bon. Et respirez lentement et bien à fond. Vous avez ramené les disquettes? Elles sont à vous.
Bien joué. Je vais les éplucher avec Robbins dans le poste de contrôle. Non, ne vous dérangez pas, commandant. Tout seul, j'irai plus vite. Possible. Mais je veux y assister. À vos ordres. Le lieutenant Crowley va vous indiquer les zones qui ont été mises en quarantaine. Au travail, Robbins. Il faut aussi informer le quartier général des derniers événements. Les zones de quarantaine? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le labo, infirmerie, cuisine, salle des machines, zone interdite. L'algue a contaminé toutes ces pièces. Müller est mort. Et Francisco... Francisco est... Il est en train de mourir. Et Anna? Je l'avais dit! Attention, pas compliqué, nous ne repartirons pas avant d'avoir récupéré Rivera. De combien de temps disposons-nous avant que les réserves d'oxygène soient épuisées? Même pourvu que nous partions d'ici, disons, 2 heures, ça devrait pouvoir coller, commandant. Ça va aller. T'en fais pas. Ça va aller. Gènes humains, humains, humains. Avec les gènes de synthèse, de nouvelles formes de vie ont été créées et évoluent. Nous n'avons pas été en mesure de découvrir une bactérie, déployer l'accélérateur ADN pour expérimenter transgénétique. Nous pouvons seulement espérer une solution. C'est tout ce que nous avons pu décrypter. Qu'est-ce que c'est que ce fichu accélérateur d'ADN ? En théorie, ça permet d'accélérer le temps nécessaire au processus d'évolution génétique. Quant à la transgénétique, c'est l'assemblage de gènes provenant d'espèces différentes avant de les soumettre à ce fameux accélérateur. C'est qu'une théorie, heureusement. Non, c'est devenu une réalité. Marc Mazzi était un spécialiste de la biogénétique. Il avait élaboré un prototype d'accélérateur pour la Comtech. L'homme qu'on vient de voir était son assistant, Tony Garber. C'est donc ça le fin mot de toute cette histoire tordue. Ils ont mis en activité leur petite fabrique de mutants. Ils nous ont menti depuis le début. Vu le nombre important de créatures, il est évident que la machine continue la production. Que Dieu fasse qu'ils n'atteignent jamais la surface. Il y a un moyen encore plus sûr. C'est d'aller la détruire nous-mêmes. Oh, merde. Moi, je dis qu'on devrait remonter vite fait en surface. Passons cette bande à n'importe quelle télé et laissons quelqu'un d'autre s'occuper de cette machine à la noix. Ça suffit. Second maître Robbins, vous restez dans le sous-marin. Les autres avec moi. On va enfiler nos combinaisons et mettre fin à cet enfer. Moi, je continue à penser que c'est une erreur d'y aller. Que le décor, ça me donne l'impression de faire le même cauchemar 2 fois dans la nuit. Robbins, ramenez-nous à la case départ. Message reçu. Vous allez tourner sur votre gauche. Oui, faites gaffe où vous mettez les pieds. Un homme en couverture. Attention au trou. Robbins, c'est vous ? Négatif, Vic. Vous m'entendez ? Anna, je rêve. Mais où t'es, bon sang? Dans une sorte de laboratoire. Hey, un cul-de-sac. Robbins, vous avez entendu? Parfaitement. Mais je ne reçois pas encore de signal. Eh bien, vous pouvez attendre que l'on vous rejoigne. Oui, je crois. Mais ne traînez pas! Ça y est. Avancez tout droit. Dépêchez. À gauche, à l'intersection. Remuez-vous! La grande faucheuse va pas tarder à arriver! Vite! Il y a un tunnel dans un coin du labo! Je fonce! Vous allez encore dire en fuite! Dépêchez-vous! Ouais.
seconde. Robbins, dirigez-nous vers elle. Oui, tout de suite. Vous êtes à peu près 10 mètres de l'endroit. Qu'est-ce que c'est ? Oh, accrochez-vous. Je suis dans une espèce d'immense caverne. Il y a des cages pour animaux. Oh. Il y a autre chose. Par ici, commandant. Encore un secret que le Pentagone ne voulait pas voir s'ébruiter. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien fabriquer ici ? Je vais regarder un peu cette machine. C'est énorme ! Commandant, allons-y. Va pas m'en débarrasser. Ça me tire à l'intérieur. Seigneur, incroyable. Commandant, je crois qu'on tient quelque chose. C'est au moins aussi gros qu'un Stratos. Regardez! Des sacs embryonnaires remplis de fœtus. Au nom de Dieu! Non, attendez, ne tirez pas! Mais c'est quoi ce truc? Seigneur Dieu, on dirait des mutants. Ils ont l'air d'être pratiquement arrivés à terme. Cette monstruosité a presque l'air humain. Ouais. Du genre va vous coller des cauchemars. Mais c'est quoi ce boucan ? Détruisez la machine. Détruisez le monstre. Anna, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'accélérateur. Et c'est ce qui régénère le protoplasme. Surprise ! L'homme est venu, rejeton mutant est là. Attention! Attention, reculez tous! Compte pas trop me bouffer, chérie, tiens, goûte déjà ça! Allez, donc, tirez dessus! Armée! Ne restez pas là, ça va y attaquer! Rendez-vous vite! Je vous rejoins, je m'en occupe! Le carburant! Tirez dessus! Excellente idée! Accélérateur disparu. Mission accomplie. Module de sauvetage prêt à embarquer. Attention derrière vous! Allez fermer l'écoutille. Mauvaise programmation, Vic. Vous auriez pu faire bien mieux. Allez-y, commandant.
c'est bon. Pilote automatique opérationnel. J'espère que vous avez une bonne respiration. Il faut l'ouvrir, vite. Ça empêchera l'immersion. On peut toujours essayer. Il faut le tourner afin de la dévisser. Allez, ça commence à venir. On est en train de plonger. Encore un effort. Tu vas céder, saloperie. Non. Aidez-moi à la sauver. Allez-y, commandant. Allez. Immersion impossible pour le moment. Dépêche, plus vite. Commandant. Ça doit être bien fermé maintenant. Retrouvons cette ordure de Robit. Il est déjà parti. Je vais essayer de le repérer avec l'ordinateur. Je vérifie notre réserve d'oxygène. Il n'apparaît pas sur l'écran. Il a ouvert le quartier de mise en quarantaine. Tout le bâtiment est exposé. Entièrement, ma chère. Doucement, Wick. Ou bien Nina se passera de sa tête. Par exemple, le module n'était pas infesté. Et j'ai emmagasiné assez de vivres pour tenir une semaine. Je peux pas vous rater à cette distance, commandant. À moins, évidemment, que vous ne souhaitiez tester mes qualités de tireur. Non. Assez plaisanté, on avance. Par là. Doucement, tout doux. Les mains en l'air. Dépêchant, Vic, on lève ses mains. Bien. Avancez maintenant, calmement, sans précipitation. Quel dommage. Que Contek ait délibérément choisi de vous éliminer, Wick. Vous tombez des nues. Enfin, réfléchissez quelques secondes, mon ami. Perdre deux sous-marins, ça fait désordre. Vous les auriez fatalement montrés du doigt, non? Alors vous vous débarrassez des preuves en faisant tout exploser. Contek m'incriminera, et personne ne saura ce qui s'est vraiment passé. Oh, il faut bien admettre que cela réconforte assez mes patrons. Ils n'aiment pas la mauvaise presse, et puis vos manières leur ont réellement déplu. Apprenez que vous leur déplaisez. Un point que vous ne pouvez imaginer. Ouvrez la porte, commandant. C'est un ordre, mes amis, pas une proposition polie. Entrez. Il y aura bien quelqu'un pour remettre la main sur cette fameuse boîte noire. Alors la vérité éclatera. Elle n'a jamais existé, mon pauvre commandant. Rien qu'un signal que j'avais créé, et qui ne servait qu'à vous blouser. Entrez. Dépêchez-vous. Seigneur, quelle horreur. Thank you.
propulsion stabilisée. Navigation automatique enclenchée. Largeur, ce pourri. Ouais, la situation n'est pas fameuse, mais je crois qu'on peut s'en sortir. J'ai une idée. C'est un coup risqué. Très risqué, mais je pense que ça marchera. Ouais, au point où on en est, on peut bien tenter une bricole. Bien. Alors, au boulot. Nina, excuse-moi. Vous m'aidez à déplacer ça? Je pars à la recherche du terminal, le cerveau. Et nous y voilà. Fais le bon choix. Commandant, il n'y a pas moyen de court-circuiter le système pour ouvrir la porte? Là, c'est bon. Pas sous cet engin. Ces caractéristiques empêchent cette opération. Bien. Attention, baisse de puissance. Circuit électrique principal déconnecté. Robbins? Vic. Vous voyez ceci? C'est de l'électronique, un micro-circuit. Mauvaise nouvelle pour vous? Il n'y en a qu'un dans tout le bâtiment. Probablement que ça ne coûte que 39 cents. Amusant, non? Un vaisseau de plusieurs millions de dollars immobilisé à cause d'une saloperie de micro-circuits minables. Bien. Attendez, ne nous énervons pas, Rick. Ouvrez le biolab. Non, pas de mauvais gestes. Faisons un marché. Ah. On causera. Une fois dehors. Attendez. Pourriture. C'est joué, donne-moi ça. Commandant, la porte, ouvrez vite. Nina, c'était pas de ma faute. Non, impossible. Tu croyais vraiment que je me servirais du bon, Nina? Bien joué. Je pars reconnecter à la machine tout de suite, et ce sera fini. On se retrouve au poste de pilotage. Venez, Nina, j'ai besoin de vous. Il nous reste une chose à faire. Nous prendrons le module. Mais d'abord... nous devons détruire cet endroit pour de bon. Vas-y, ma chérie, me laisse pas tomber maintenant. 6, 4, 9, marche. Ouais. Quand je vous le dirai, vous introduirez cette cassette. 3, 2, 1, allez-y. Phase destruction enclenchée.
phase destruction amorcée. 120 secondes avant explosion. Filons. Ice. Oui. Fonçons vers le module. 110 secondes avant explosion. Il doit nous rester moins d'une minute avant que ça pète. Appuie sur ce bouton vert quand je te dirai. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Appuie sur le bouton. Wow.